Bon, et que normalement, après un mois d'installation dans cette institution, ça, on a commencé à travailler d'arrache-pied pour nous voir premièrement dans quelle mesure est-ce que nous sommes capables de rétablir la politique du gouvernement concernant le sport et ici, premièrement dans le département de l'Ouest, et ouais, dans quelle mesure que nous sommes capables de retourner ensemble avec une série d'activités qui ont été faites dans le temps. Et je pense que année ça nous avons une chance côté que nous gagnons un ministre de la jeunesse et des sports qui est très conscient de l'activité secteur, de problèmes secteur saharien là-bas. Okay? Et l'Ichita la travaille d'arrache-pied ensemble avec nous pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables de redynamiser le sport dans le département de l'Ouest, et ce n'est pas seulement dans le département de l'Ouest, dans tout le pays d'Haïti, retourner avec une politique de jeunesse, retourner avec les activités qui étaient faites dans le temps à Port-au-Prince et dans toutes les grandes villes, ou à dans quelle mesure au niveau des communes que le ministère de la Jeunesse et des Sports est capable de présent. Donc son éveil au niveau de la jeunesse en Anessa dans le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, rencontre ça a été fait avec les responsables communaux. Rencontre ça a fait ensemble avec tout coordonnateur communaux. Nous prenons l'autre rencontre encore, nous prenons faire ensemble avec tout nèg qui est responsable sport, soit dans un niveau à un lot dans le département de l'Ouest là, les moniteurs sportifs et les représentants de jeunesse, les AMC, tout le monde, ça c'est le monde qui rentre, qui est dans la structure ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc son éveil total, capital. Nous paix nous-mêmes au niveau de direction départementale de l'Ouest, avec support le ministre et madame, avec support ministre là, ainsi que le chef de cabinet qui se met Tolbert Alexis. Et rencontre l'Anchita sous deux piliers, éveil jeunesse et sport interscolaire. Sport interscolaire. Anessa, sport interscolaire là, nous prenons le faire dans le niveau football ensemble avec basketball. Comme nous connaissons que le pays d'Haïti fait face ensemble avec un pile pas mal de problèmes d'insécurité et autres. Normalement, il y a des communes que nous ne sommes pas capables de toucher. Par exemple, nous ne sommes pas capables de toucher Guadeloupe pour le moment. Par exemple, nous ne sommes pas capables de toucher Carrefour. Mais après, nous ne sommes pas capables de toucher Cité Soleil. Parce que nous connaissons que tout problème qui existait dans la commune. Mais après, à part de trois communes qui ont un problème au niveau sécurité dans Port-au-Prince, nous avons gagné 13 communes après. Nous avons travaillé pour nous implanter, redynamiser, retourner ensemble avec l'activité sport scolaire là, dans le pays d'Haïti, dans toutes 13 communes que nous avons gagné, qui n'ont pas gagné une mise en statut. Et si un message pour la jeunesse qui attendait à ce que ça vient. Ça message d'ailleurs. Comme vous le savez tous, sport, c'est seul espoir qui était jeunesse haïtienne, je ne veux dire. C'est lui-même qui fait insertion, c'est lui-même qui fait réinsertion. C'est avec espoir qu'on est capable de chasser une série de problèmes. De nos jours, nous connaissons que jeunesse la voie à une quantité pratique, normalement, qui est en dehors des normes que la société a lui-même mettait à la disposition de tout le monde pour vivre. C'est l'une des raisons que nous-mêmes, au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, nous dit que en nous ouais si espoir ça que tout monde tout haïtien haïtienne toute jeunesse là pense qu'il est pour venir en nous ouais si nous capable faire à partir du sport en nous ouais comment nous capable refaire l'unité de la classe haïtienne l'unité de la jeunesse haïtienne à partir du sport et c'est seule source sauve nous c'est seule sacrité nous c'est le sport. Et l'année académique 2021-2022, on est capable de dire qu'il démarre en mois de janvier. Est-ce que l'activité ça, nous prévoit déjà démarrer avec une date? Oh, bien sûr, nous prévoyons que, bien entendu, on a déjà acheminé deux projets au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Okay? Et que vous commencez à travailler sur eux. Le ministre a commencé à travailler sur le projet, ça, on sait que c'est son chef de cabinet. Nous pensons que après approbation et acceptation de deux projets ça, nous sommes capables d'ici le mois prochain pour nous voir comment nous sommes capables de thérapier ensemble avec le jeu scolaire. Et pas oublier que c'est le jeu scolaire qui va avoir lieu avec ça, nous et les jeux d'été. Okay. Nous connaissons que ça fait longtemps, activité jeux d'été sont bagailles qui suspendent dans le pays d'Haïti.
Nous-mêmes, nous allons voir au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports comment nous allons retourner avec Jeux d'été ici en Haïti, de façon à ce que pour chaque jeune, gagne une occupation à partir du sport ici dans le pays. Merci. Donc c'est vrai. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier.